Bonjour Thomas. Bonjour. Bien que tu te présentes par rapport à nos téléspectateurs qui vont donc essayer de te connaître un peu mieux durant tout ce reportage où on va te suivre dans des périples de... Moi je suis Thomas Canfoudi, je suis originaire du Sénégal et je vis en Haute-Loire. Ouais. Je suis musicien, je fais partie du groupe Tomso. T'es venu en Haute-Loire pour la musique, pour l'inspiration ? Non, je ne suis pas venu en Haute-Loire pour la musique, c'est parce que j'ai une vie de famille ici et j'aime bien le coin aussi. D'accord, mais tu faisais quand même de la musique ? Je faisais de la musique au Sénégal, ouais. D'accord. Et ça faisait longtemps que tu faisais de la musique au Sénégal ? J'ai commencé tôt en fait, quoi, parce que j'ai attaqué avec... j'ai joué dans une chorale. Ouais. Et après j'ai monté un groupe aussi, j'ai fréquenté des groupes aussi au Sénégal avec qui j'ai joué. Ouais. Et j'ai fait un album là-bas aussi, en solo. D'accord, on va voir ce que ça donne. Ouais. D'accord, allez, on y va. Pour moi, la composition, en fait, ça vient de manière plus naturelle. En fait, des fois, j'ai des airs qui me viennent à la tête. Et j'essaie de bosser dessus avec la guitare. Et trouver les mots qui vont avec la musique aussi. Et c'est comme ça que ça se passe, quoi. C'est lui, c'est qu'il parlait des trucs qui me viennent à la tête, en fait, quoi. Et qui me concernent, qui concernent notre société aussi. J'essaie d'exprimer ce que je vois et ce que je trouve pas juste, en fait, dans notre société, en fait, quoi. Il y a des morceaux qui sont plus qui parlent de l'amour, d'autres qui parlent plus de justice sociale aussi. Certains textes qui ont été écrits aussi par des copains. Comme Capital, je ne l'ai pas écrit moi-même en fait. Capital, je l'ai fait avec un copain, Manuel Gracia, et avec qui on avait discuté beaucoup du capitalisme, tu vois, tout ça. Et moi, je faisais un morceau en fait, avec la guitare, et ça donnait Capital. Capital, tu manges tout. Les arrangements, je ne fais pas les arrangements. L'avantage, en fait, du groupe, c'est qu'on vient tous d'horizons différents. Donc, du coup, c'est cette richesse-là, en fait, que je cherche, moi, en fait, dans la musique. Kamar, c'est le claviste. Jean-Louis qui fait la guitare. Et Destin, c'est le percussionniste. Il manque Manu, le batteur, et Piquette, le bassiste. Notre musique, il peut y avoir des influences un peu rock dedans, des influences africaines, des influences d'océan indien qui peuvent être aussi présentes. En fait, je pense qu'on se limite pas en fait en se disant on va faire que ça comme style de musique. Est-ce que ça va ici ? La scène pour moi c'est ça représente beaucoup. Je dirais que ça représente en fait un lieu où on peut venir échanger avec les gens en fait qui nous suivent. C'est un lieu de liberté d'expression aussi. Et je peux dire que c'est un lieu de notre... la scène fait partie en fait de notre vie. On a fait le festival off du Printemps de Bourges. Et après tout ce qui est festival en fait, en tant que musicien, c'est les festivals nous donnent toujours en fait l'occasion de pouvoir croiser d'autres musiciens qui sont soit super connus ou qui sont pas du tout connus et avec qui on se lie d'amitié en fait et les liens restent en fait. Et en même temps c'est un lieu où tu peux rencontrer le public et un lieu d'exposition aussi de ce qu'on fait. Moi, l'avenir pour moi, c'est de jouer, en fait, quoi. J'ai envie de jouer. Après, je ne me focalise pas sur des festivals en tant que tel. Je prends ce qui... J'ai envie de jouer. Donc, du coup, tout ce que j'ai, je le fais, en fait, quoi.